On peut savoir où t'étais? T'as qu'à te dire que j'ai pris une année sabbatique, que j'ai obligé de partir, et puis du reste, ça te regarde pas. Ah ouais, tu parles non comme ça, tu reviens hier soir et ma mère, elle comprend. Je suis chez moi ici. Et moi aussi, et plus que toi. C'est toi qui payes le loyer? C'est peut-être pas moi, mais c'est ma mère, c'est pas toi. Avec l'argent que j'ai envoyé. Tu vas croire à moi que t'as envoyé de la thune ici. T'as qu'à demander à ta mère. Bien sûr, je vais te croire. Écoute, j'ai pas de compte à te rendre, moi. Je sais pas comment on peut accepter un mec comme toi. Bon, tu vas me virer ce truc. C'est pas un truc, c'est une chienne et c'est toi qu'on va virer. Écoute-moi bien, je vais le passer par la fenêtre, tu vas voir. Essaie un peu. Tu sais pas que c'est des chiens dangereux, ça? Ma chienne, elle est gentille, elle est pas comme toi. C'est des chiens d'attaque. C'est des chiens d'attaque si tu les rends méchants. Et toi, quand t'attaques tes petites filles, t'es peut-être un chien d'attaque? Qui te parle d'attaquer et de quoi tu parles? C'est toi l'homme d'attaque, tu te souviens pas avec lui là pour ce que tu lui as c'est fait? C'est une menteuse, elle a toujours dit que des conneries et du reste, je veux plus qu'à traîner ici. Non, tu sais pas ce que tu dis, tu sais pas ce que tu fais, t'es qu'un malade. À 10 ans, elle se fringuait comme une pute à la retraite, ta copine. Ah ouais, moi si je m'étais laissé faire, tu m'aurais fait la même chose. C'est toi, t'as toujours cherché à allumer tout le monde. Et d'ailleurs, ma pauvre fille, je me demande comment tu vas terminer. Attends, tu vas finir en tôle, ça c'est sûr. C'est ça. En attendant, tu me vires ce chien tout de suite, c'est moi qui commence et moi le maître. J'ai pas ton pire, t'es pas mon père. Et Lumina, c'est pas une mytho, elle a jamais menti sur rien. Écoute, tes copines...